Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce que tout marche bien? On dirait, hein? Ouais. Alors, est-ce que ici ça marche? Twitch, Twitch, Twitch. Alors, je crois bien, hein? Ouais. Ouais, ça marche. Yes. Ok. Alors, aujourd'hui, on va, comme j'avais marqué, on va aller explorer notre. On doit aller découvrir le code Ulfisch, qu'on avait vu la dernière fois là. Et on va explorer aussi la base alien. Alors, pour la base alien, on va déjà prendre de quoi? Alors, il faut déjà retrouver. On va peut-être ranger ça aussi. Tout ce qu'on a ici. Ah ouais, mais je voulais aussi. Alors, c'était où? Je voulais m'amuser ici aussi à faire un deuxième étage. On fera ça fin de l'épisode, fin du stream. Hop, nourriture sanguin, la tablette violette, on la prend. Boomerang, je vais le cuire. Peut-être qu'on devrait avoir de l'eau aussi, non? Bâton lumineux, d'accord. Moi j'aimerais bien voir comment on fait. Comment est-ce qu'on fait un truc? Un canon en propulsion, voilà. Fusil à stase, découpeur laser. Ouais. On va déjà remplacer notre batterie ici. Alors, on va prendre ça. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour manger. Voilà. Alors, on va remplacer R. On va la décharger. On va prendre une pile là. On va mettre l'autre ici. Voilà, comme ça elle recharge. Parfait. Et du coup, on remplit. Parfait. Alors, est-ce qu'on a encore assez en tout? 39%. Je vais faire, je vais en prendre une ici. Comme ça, je suis sûr qu'on l'a. Ok, alors. Ah bah encore des piles ici. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Or, or, or. Il faudrait que je fasse des balises. On va faire des balises aujourd'hui. Plein de balises. C'est un truc que je vais faire depuis des mois et des semaines, mais. Enfin, en fait, non, juste depuis commencé, mais. Alors. On va. Faut qu'on le trouve. Balise, là. Minerai de cuivre et titane, ça va, c'est pas du tout cher. Alors, cuivre et titane, on peut déjà en faire une. Est-ce qu'on a ici de quoi? Ah, j'ai plus d'or que. que de cuivre. Alors, bah. Cuivre et titane. Bizarre. Ah, peut-être ici. Ah, voilà. Ok, alors. Ok. On est bon ici. J'aimerais quand même faire juste de l'eau. Comment est-ce qu'on faisait encore de l'eau désinfectée? Comment il faut qu'on trouve. Comment est-ce qu'on fait de la javel? Javel. Échantillon teint. Ok. On va aller chercher. Un enchantillon ici. Non, peut-être là-bas. Du sel, c'est déjà ça. Ok, peut-être ici. Deux. Ok, je crois qu'on va pouvoir en faire. On va pas abuser non plus. Hein. Ah oui, on doit juste faire de la javel. Et de 1.
Et de 2. Et de 3. Voilà. Perfect. Alors, oh. Ah oui, c'est vrai, on fait toujours double. Ça, c'est bien. J'avais oublié. À chaque fois, j'oublie. Nice. Ok. Alors, le jouet, on va le mettre là. Sanctuaire, on le garde. Ça, on peut en garder juste un, c'est assez. Popopom, la casquette bleue. C'est bon. Ok, la tablette violette. Il faut qu'on check la tablette violette. Ok, ok, ok. On va aller vers les zones aliens. Fait tout noir. Alors notre prawn, ouais, c'est vrai, on l'a aussi. On va pas encore l'utiliser, c'est pas encore. Moi, c'est pas encore utile maintenant. Welcome aboard, Captain. Hop là, et voilà. Nice. Alors, est-ce qu'on a encore beaucoup de batterie? 83%, ouais. Ok, donc là on est bon. Alors, l'île, c'était laquelle? Je crois que c'était celle qui était vers derrière. Qu'on va faire déjà de toute manière, c'est qu'on va remonter. Et l'île est là-bas. Ok. Capsule de la directrice technique Yu ayant coulé à 500 mètres de profondeur avant d'être abandonnée. D'accord. De toute manière, on va d'abord aller là. On a la tablette. On va voir ce que ça fait, hein, la tablette. Alors ouais, je préfère rester en hauteur pour le moment. J'avoue que j'ai une petite préférence, quand même. Ah. Donc, alors j'ai aussi regardé pour le cuttlefish. Donc c'est en fait un petit poisson qui reste avec nous et tout. Apparemment, on peut le trouver dans les zones avec les gros champignons là. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Alors, ça a déjà spawn. Voilà. Ok. On va aller par la gauche. Ok, on est bon ici. Je crois qu'on va carrément aller comme ça, hein, pas besoin de prendre notre petit vaisseau. Je crois que pour le moment c'est inutile. On va peut-être éteindre le moteur. Engine powering down. Hop là, parfait. Alors, je vais quand même juste prendre ici. Donc on y est, hein. Autant en profiter. Alors, on a toujours ces foutus crabes qui viennent nous suivre. Pardon.
Eh ben. C'est bon, ils me suivent plus. Ok. Je veux mettre 5. Voilà. Alors la question c'est est-ce qu'on peut mettre déjà ici ou pas? Insérer la tablette. Ouais. Contrôle du champ de force. Ok. C'est parti. Scans que cette structure est composée d'un alliage métallique d'une solidité encore jamais vue. Ah. Qu'une correspondance dans la base de données, dans la banque de données, analyse structurée en cours. Ah, j'ai eu un succès de technologie ancienne. Langage inconnu, tentative de traduction. D'accord. Bon bah on va avoir hein. Est-ce qu'il y a un truc sur un côté ou un autre? Pas sûr. Votre meilleure chance de vous interfacer au système synthétiseur est en accédant à la salle de contrôle à l'étage inférieur. D'accord. Après, on va d'abord prendre c'est le Cubionic, c'est ça? Cette substance minérale verte ne figure pas dans la table de Mendeleev et a la capacité inédite de stocker d'énormes quantités d'énergie ionique. Chaque cube contient l'équivalent en énergie ionique de 5 kilotonnes de TNT, pas mal. Analyse, précieuse source d'énergie. Comme pour la table violette. Ok, on peut la prendre. Ah ouais, on peut le prendre, cool. Wouah. Ok. Alors. L'analyse des fresques sur les murs ne peut pas déterminer si elles ont un but esthétique ou fonctionnel, données supplémentaires requises. Ok. Ah, on a encore un truc là-bas vert. Ah, encore un cube ionique. Ça, ça sent les trucs à créer. Hein. Ça, ça sent le truc à créer d'office. Langage inconnu, tentative de traduction. Ok. Plan de plateforme armée. Ah bah on l'a vu. Terminal de données alien, d'accord. On continue. Elles viennent d'où les lumières là? Ok. What? C'est quoi ce bordel? D'accord. D'accord. Contrôle de champ de force. What? Ah ouais, c'était pour mettre pour rentrer avec notre truc là. Et on peut rentrer par là, regardez. Ah, est-ce que c'est... Il est peut-être fermé. On va aller voir ce qu'on peut en faire. On ira voir point de rendez-vous d'Aurora, terre émergée. Alors... Ah, encore un cube ionique. Je sens qu'on va devoir en faire tellement. Au moins 3 je crois. Ah, encore une tablette. On explore, on explore.
Appareil extraterrestre. Dispositif du fin du monde. Est-ce qu'elle indique que ce dispositif contient suffisamment de potentiel énergétique pour détruire toute la planète ainsi que la majeure partie du système solaire? Par chance, il est endommagé. D'accord. Ouais, par chance. Par chance ou par malchance, parce qu'en soi, on aurait pu très bien, justement, grâce à ça, ne pas s'écraser ici, peut-être. Juste derrière cette porte. Ah, mais on a la tablette violette. D'accord. Alors. Y'a rien ici, y'a rien ici. Non, non. What? C'est quoi ça? Cœur énergétique. Salut Lucas! Tu vas bien? Allez, on appuie, on verra bien. What? C'est quoi ce bordel? C'est un message. Traduction affiche. Attention, les personnes infectées ne peuvent pas désactiver l'arme. Cette planète a été mise en quarantaine. Quoi? Non, j'ai une gastro et un gros rhume, l'anniversaire de mon frère en plus. Putain, c'est le bordel, hein. Translating background broadcast. Downloading summary infecté. Infecté à quoi? Infection bactérienne progresse dans votre système, irritation de la peau et une réponse immunitaire ont été détectées. Putain. Je comprends pas. Donc ok, donc il y a quand même un problème ici. On est d'accord. On est infecté à je ne sais quoi et en plus. T'es gaffe pour une fois que je panique quand j'écris. D'accord. D'accord, merci Lucas. Merci de ton intervention très explicite. Par contre c'est abusé, j'ai un lag. Mais de fou quoi. Pourquoi donc? Bon, en tout cas que... Waouh, tu te calmes. Allez PC, tu te calmes. Alors on pourrait apparemment monter là, on dirait. Alors c'est juste pour le design? Ah ouais, c'est peut-être juste le design. Ok. C'est Toto qui va aux œufs avec sa mère, qui demande à sa mère c'est quoi ça? Et sa mère répond... C'est un orang-outan, Toto. Demande alors pourquoi il ressemble à papa. Ah, d'accord. Ha 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 ha. C'est pourri, je suis désolé, mais... Mais c'est pas grave, hein. Qui sait, t'as peut-être de l'avenir dans l'humour. Je sais pas, je... Bon. En bref, on arrivait à tout à l'heure ici. Donc on doit aller là-bas. Ah, c'est quoi ça? Fusil extraterrestre. Ah, ok, on fait le tour. Ok. C'est le même endroit. Ah ouais, c'est le même endroit. Mais du coup, on va peut-être aller voir là-bas alors.
Ah ouais, on n'a pas été ici en fait. Ça. Putain, ça fait trop peur. Arche alien. Ah, ça passe pour se taper à certaines zones ou un truc du genre. Rôle cérémoniel ou religieux, usage industriel, réseau de transport avancé. Analyse recherche supplémentaire requise. Ok. On n'apprend pas plus. C'est nul, je sais. Ah oui, je sais. Ok, je sais. D'accord. J'ai une blague. C'est un type qui rentre d'un bar et dit c'est moi, mais en fait c'était pas lui. Et ouais. Toi tu es là, moi je suis au-dessus. Bon, on va peut-être boire. Manger. Boire. Boire. Voilà. Perfecto. Alors on va essayer de se ramener ici. Ok, ils sont là-bas. Ils sont loin, hein? Hey, y a un truc là-bas. Ok, on va amener notre. Je suis québécois, tabarnak. Il est 14h ici. Ah bah ici, il est 20h. Je connais mais j'ai jamais regardé. Du coup, on va retourner du coup à notre petit truc à explorer, hein. Notre cher Simos et tout le bazar. Moi je connais pas ça. Tu connais pas quoi? Rick et Morty? Bon, est-ce qu'on n'explorerait pas un peu l'île? Parce que ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des trucs intéressants sur l'île. Hein. Rien que des petits trucs ici, je crois que ça pourrait être possible. C'est moi, mais c'est pas moi, mais moi. Moi je suis moi et lui moi. D'accord. Donc ça, ce cher humour québécois qu'on ne comprend pas. Alors... c'est américain. Attends, de quoi tu parles? De quoi? Qu'est-ce qui est américain? Tu viens de dire. Moi, je parle de ton humour à toi, hein, je parle pas de Rick et Morty. Alors là, par contre. Hop là! Ah, je savais qu'il y avait encore un truc ici.
L'humour. Ah, c'est l'humour américain, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais me perdre ici dedans. Pas où je vais, hein. Je suis en pleine découverte. Arbre bulbe. Ah ouais, mais j'aime bien ça. Il faut que je le plante celui-là. Le lithium, ça, on l'oublie pas. Putain, il y a plein de lithium, c'est génial. Aïe. C'est moi, mais pas moi, parce que moi je suis moi et lui. Moi, mais moi je suis là et moi qui est lui est ailleurs, car moi je suis moi et lui est moi. Si tu veux. C'est probable, mais en même temps pas probable. Écoute, moi je vois que tu t'amuses. Si tu t'amuses, c'est le principal. On a plein de lithium, mais c'est génial. Dire que j'avais cherché ça pendant je sais pas combien d'heures l'autre fois. J'en ai plein. Putain. Oh, on a enfin trouvé ce que je... ce qu'on cherchait. Une autre base. Boum. Un ciré cube ionique. Oh. What? On le tente ou on le tente pas? Allez, on le tente. Je sais pas où ça me mène. Alors, attendez, on est sur une autre île là? On est sur l'autre île, j'en dirais. Non, je veux pas ça. Donc ça veut dire qu'il y a une autre base sur l'autre île. Ok. J'espère que ça va rester à l'infini, c'est vraiment cool ça. Alors par où est-ce qu'on sort déjà? Est-ce qu'on peut sortir? Non, non. Fais gaffe parce que moi je suis moi et lui est moi. D'accord. Mais savais-tu que le toi et le tome et le pas toi n'est pas encore n'a pas encore foulé la chaîne? Est-ce que tu le savais ça? Parce que ça c'est la seule chose dont je suis sûr. Ah, on peut sortir. Alors non. Ah, c'est comme ça qu'on prend.
Ok. Ok, donc on a réussi à se TP vers l'autre zone. Maintenant, il faudrait que, faudrait qu'on se trouve un autre objectif. Parce qu'on risque d'être un peu perdu. On va aller du coup, on va retourner vers notre Simos, hein. Cyclops et Simos. D'où ça fait mal ça. Ok. Cool. Est-ce qu'on monterait peut-être pas une fois un peu? Voir si on a des pots de sel, voilà. Alors non. Ok, on va redescendre. Ah ben. Et d'où on se fait attaquer là? Ah, ou alors ce serait notre infection? Infecté. Comment est-ce qu'on pourrait faire en fait? Ouais. Bon, on va retourner à notre base. Ce sera la chose la plus intelligente à faire, je crois, pour le moment. Ah, une tablette violette. Merde, on n'a pas assez de place. Je vais jeter quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Le sel. Ça prend beaucoup de place ou pas en fait? La tablette. Ah non, c'est bon. Salut Girino, ça va et toi? Girino, regarde ce que j'ai fait comme découverte dans cette île. Alors déjà, il y a un gros trou. Et regarde ce que j'ai. J'ai trouvé tout ça comme lithium. Le lithium là, tu vois le truc qu'on cherchait pendant des heures la dernière fois? Eh ben on l'a, on en a plein ici, à volonté, à profusion. Donc si jamais t'en cherches, voilà. Oh, pas mal, bah ouais. Attends, j'ai vu ça, mais moi j'ai fait mon stock, hein, c'est bon, hein. Donc c'est sur l'île où il y a les trucs aliens, si jamais tu cherches. Dans les grottes, c'est t'as ça. C'est vachement cool. Alors est-ce que ici ça pourrit pas? Non. On retourne à notre cher petit truc là-bas. Trouver une autre zone, t'inquiète, mais depuis j'ai pas mal avancé aussi. Dans les 600-700 mètres de profondeur. Ah, moi j'ai pas du tout avancé. Ouais, du coup tu m'as dépassé, ce que j'avais dit. Je t'avais dit que tu me dépasserais rapidement. C'est surtout à Uranite 1. Qu'est-ce qu'il y a à Uranite 1? J'ai pas compris. Engine powering up. On va faire un petit aller-retour, on va retourner à notre base. C'est quoi Uranite 1? Uranite, c'est une ressource nucléaire, ouais, mais. Je veux dire, ça fait quoi de spécial? Enfin, je veux dire. Quand tu dis c'est surtout à Uranite 1, c'est dans quelle phrase tu mets ça? Quoi là-bas? Il y avait un truc là-bas.
Comme l'Uranium, ils ont changé le nom. Le 1, c'est une erreur. Mais la zone que je t'ai dit, je trouve pas mal d'uranite. Ah, ok, d'accord. Ok, donc on va déposer tout ce qu'on a trouvé, puis on retourne, on va explorer un peu. Après, il doit y avoir pas mal de ressources que tu connais pas encore, l'enchantine, mais je doute que tu en aies. Oh, sûrement, 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 sûrement que tu en connais beaucoup plus que moi. Hop là, allez, on va tout mettre là-bas et on retourne. C'est cool, ça commence bien, non? Non. Ici, je crois que ce sera pas mal. Ouais. J'ai gardé mes kits bioniques quand même. Et merde, il y a le truc qui est en décomposition. Est-ce que je peux le planter ou pas encore? Là, je peux. Est-ce que ça, c'est cool. Ça nourrit blindé si je me rappelle bien. Ok. Ce que je vais faire, je vais reprendre cette batterie aussi au cas où. Et voilà. On retourne. Parfait. Engine powering. Je cherche quoi en fait? Oh, je cherche pas vraiment quelque chose. En soi, là, je voulais explorer un peu tout ce qui était alien. Donc, pour le moment, je vais un peu explorer là-bas et voilà, je commence un peu, je commence par ça en fait. Et puis on verra bien vers où ça nous mène. Je sais pas du tout du coup. C'est pour ça. Salut Lucas, n'hésite pas à follow hein, si jamais tu veux suivre les autres lives. Sinon à bientôt. Alors ce qu'on va faire, tu as le prone ou pas encore, je me rappelle pas. Ouais j'ai le prone hein. Le problème c'est que j'ai encore rien dessus, du coup je sais pas si ça sert à quelque chose. Déjà j'ai réussi à, tu vois là, bah, on voit que c'est pas chargé. J'ai réussi à me TP de l'autre, dans l'autre zone. Qui amène en fait vers, vers là-bas du coup. Donc ouais, j'explore là. Fait maintenant, c'est on va rester proche de la côte. Si c'est méga utile, mais elle laisse pas seule. Prends le cyclo avec pour remonter, mais c'est essentiel le prone. Ouais, mais déjà maintenant, pour moi, c'est utile tout à l'heure quand j'aurai vraiment des gros trucs quoi. Ah, il y a un Léviathan.
Bah, tu fais la... Ah, tu fais la salle des scanners. Ouais, j'ai été à la salle des scanners, mais le problème c'est que j'ai été infecté par je sais plus quoi. Et du coup, bah, je sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Du coup, pour le moment, je me balade quoi. Et je me doute qu'il y a un truc intéressant à faire avec la salle des scanners. Je suppose qu'ici je peux descendre. Hein. Je crois que c'est par là qu'on peut rentrer. Ok, on descend. Si on parle de la même, celle que tu peux construire dans ta base, tu peux gérer, genre chercher des schémas et tout, c'est pratique. Attends. Ah, tu as fait la salle de scanner. Ah non, 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 non. Attends, attends. Attends, on parle pas de la même chose, je crois. Et gérer les schémas, c'est... Enfin, la salle de scanner, à la base, c'est juste pour chercher des... C'est pas genre juste pour chercher des... Attends, je touche quelque chose là, non? Je peux rentrer quand même hein, ici dedans? La salle des scanners, c'est juste pour chercher surtout des minerais, non? Ou alors ça a encore changé? C'est ce que tu peux chercher. Ouais, mais la salle des scanners a quand même, elle, on peut pas la faire très très loin. Moi, je voulais explorer ici. Tu crois que j'aurais faire la... J'aurais faire ma... La salle des scanners? Le problème c'est que j'ai peur pour la distance, quoi. Moi j'ai en tête qu'il y a vraiment niveau distance, c'est très bas. Du coup, pour moi ça sert à rien, quoi. Mais je sais pas ce que t'en penses, si tu trouves que je devrais le faire, alors j'y vais directement. Moi ça m'aide, mais peut-être dans ta zone, il n'y a rien. Par exemple, grâce à ça, j'ai trouvé le... la foreuse à prendre, mais le jeu a crash et j'ai perdu toute progression. Ah, c'est bien, tu me fais rappeler que je dois souvent sauvegarder. Vu la dernière fois quand ça a crash.
Cœur énergétique. Et tout ce qui était alien là, il y avait un pas un truc la maladie, comment est-ce qu'on pourrait. Ah oh! 800 emplacements caverne contenant nombreux. Ah ouais, ici on a des zones. Pas mal. Ouais, moi c'est louche, j'ai crash deux fois en 30 minutes donc fais gaffe aussi. Ouais, j'avoue. Artefact fusil alien, on s'en fout aussi, non? Tous les survivants, ok, basta. Ok. Seek fluid intake. Théorie avancée, ce serait quoi? Œuf alien. D'accord. Ouais, ça, franchement, bof. J'ai pas besoin de tout ça, ok. Bon, j'aimerais quand même savoir. What, c'est quoi ça? J'aimerais quand même savoir une chose, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'hésite. Et j'aimerais aussi savoir comment je... Allez. Bras de forage. Ah bah j'ai déjà le bras de forage. Pour la combinaison prone. Enfin je l'ai déjà. Je peux le crafter quoi. Et bras grappin aussi, mais il faut du benzène. En fait je sais pas trop où aller. Fais-le, c'est important. De quoi je dois faire? Je fais la truc la salle des scanners, c'est ça? Bras de forage. Ouais. De nouveau, c'est parce qu'en fait, je sais pas où est-ce que je vais l'emporter. Enfin, comment est-ce que je vais l'emporter? Où est-ce que je vais l'emporter? C'est pour ça qu'en fait, je sais pas trop. Et donc, ici, pendant la zone alien. Je peux rien faire parce que j'ai été infecté, du coup il y a quelque chose de spécial qu'il faut faire ou pas? Oui, ah. Quoi ça? Parce que j'étais à la salle des scanners, enfin j'ai été dans toutes les zones. J'ai récupéré des trucs ioniques, les cubes ioniques là. J'ai récupéré. J'ai fait le. Enfin, tu vois, je me suis fait piquer par l'œil qui te regarde comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas essentiel, franchement, surtout que tu as pas débloqué ce qu'il faut. Ok. J'ai réexploré ici en bas. Ça pourrait être pas mal, hein.
juste peur de me faire attraper par... par une bête sauvage. Oula, c'est quoi tout ça? What? Putain, ça spawn d'un coup? Je me pourrais plus s'il y a une entrée juste en bas. Et pas des grottes, mais je me rappelle. Pas des cours, enfin. Tu veux, j'en ai quand même une. Non. Alors t'inquiète, c'est si... Enfin, je vais regarder un peu tout ce qu'on peut faire. Déjà, je vais aller scanner tout ici. Non, ce que je vais faire. On va d'abord sauvegarder. Sauvegarder. Voilà. Ok. On va aller envoyer notre Simos. Ah, je suis trop bas. Bon, bah on va retourner. On va juste aller comme ça alors. Mais c'est bien, si on est fort bas, on va peut-être découvrir des nouvelles choses. On va prendre ça. On va prendre le découpeur laser en 4. Ok. Réacteur nucléaire, ça c'est bon. Bras grappin, je l'ai. Réacteur nucléaire, ça c'est bien. Genre, tu as découvert la zone avec l'acide. Ça te fait rien. Non, je crois pas que j'ai découvert la zone avec l'acide. Mais j'ai pas pu s'explorer que la dernière fois. Hein. La dernière fois, ensemble, là, j'y ai plus joué depuis. Hein. Je vais reprendre de l'oxygène. Il n'y a pas plus. Il doit y avoir plus quand même. Le truc tout va intéressant, surtout que le prone est utile pour ce genre de mission. Allez, bah si je trouve où est la zone acide, alors ouais. Mais je trouve que c'est mieux de mettre le prone dans le Cyclops. Ah, ça j'aime bien. Quoi, je l'ai déjà pris? Ah, en fait, j'ai déjà exploré cette zone. Ah ouais, je suis arrivé par là, mais je suis nul. Je suis con, en fait, j'ai déjà tout exploré là. Juste que je savais pas que c'était ici. Après, faut la lâche, c'est juste qu'il faut emmener le cyclope parce qu'il y a des petits réacteurs. Et... Ah, ouais, ok, ouais. Ouais, ça je savais, hein. Faut pas le laisser tout seul. Juste pour info, il peut aller jusqu'où lui? 500 mètres, d'accord.
D'accord. Ah, je crois que c'est... Ouais, l'oxygène. Ok, ce qu'on va faire, on va retourner à notre base et on va prendre le prawn, on va un peu aller explorer, tester avec ça. Je crois que la capsule, ça va être chaud à aller à trouver. Enfin, pas à trouver, mais ça va être chaud d'y arriver comme ça, quoi. En tout cas, si tu voudras des coordonnées, dis-moi. Mais si tu y vas, fais gaffe, tu vas croiser des choses Léviathan, mais le prawn résiste bien et la plupart du temps, il ne remarque pas si tu ne bouges pas quand il te regarde. Ah d'accord, donc en fait, quand un Léviathan te regarde et que tu bouges pas, il t'attaque pas. C'est comme le T-Rex, en fait. C'est bon à savoir. Là, on va remonter bien haut. Si le prône est petit et discret, d'accord. Et pas un petit truc intéressant là? Ah, j'aime pas ce bruit. On va remonter à la surface. Ouais, il est là-bas l'autre. Mais il va pas monter si haut. Mais non. Mais non. Non mais t'es... Redescends, redescends. Non mais... Non. 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 Ok, 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 c'est bon. Et même si Tata ne panique pas, il t'attaque une fois, il repart. Tant est mieux de réparer le pont. Ok. Ok. Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien qui coule. Ah bah si. Damage. Ok. Alors... Aha. Voilà. Bon, je te laisse découvrir si tu veux l'écho ou des questions, dis-moi. Ouais, ouais, merci. Bah, de toute façon, je vais maintenant avec. Je t'avoue que je veux d'abord découvrir avec le prawn 2-3 petites zones. Mais je sais pas. Le problème, c'est je sais pas vers où aller. Je vais d'abord aller, je crois. Je crois que je vais aller vers la capsule de la directrice technique là. Parce que c'est la seule direction que j'ai pour le moment. Donc, je vais essayer de faire ça. Et puis on va voir vers où ça nous mène, quoi. Je crois que c'est que comme ça qu'on va pouvoir faire. Mais moi je me souviens hein, que... Ah, je sais plus exactement où. Mais j'ai l'impression que dans cette zone là, il y a un trou en fait pour aller super bas. Et je me souviens que j'avais découvert une énorme zone, enfin une base abandonnée, une base humaine abandonnée. Enfin c'était un truc de dingue. Comment afficher les coordonnées? Alors là, même pas. C'est vrai que c'est une bonne question. F1. Ah. Mais c'est de la triche, non? Le F1. C'est un peu le... Ah, quoique non.
Ok. Je peux en prendre un. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ok. Welcome aboard, Captain. Après bulle on va en croissance. Ah, ça avance. Bon, bon, bon. On va devoir voir comment est-ce qu'on va faire du coup. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme comme chose à faire? Module de combinaison prone. Donc, on pourrait faire le bras de forage. Et un bras grappin, c'est peut-être bien ça, le bras grappin, non? Tu as 3, non, réfléchis par exemple, non, et tu peux te diriger, c'est vraiment cool, c'est quand... Donc quand je te disais les coordonnées, c'est ça, à l'aise. Ça va, cool, merci. Ok, donc je crois que j'ai déjà fait le bras de forage, ça peut être intéressant. Titane, lithium et diamant, on a tout ça je crois. 4 diamants quand même, mais je crois que je les ai. Alors, titane, 1, 2, 3, 4, lithium, et qu'est-ce qu'on a encore besoin? Le premier truc, le 1, et un dernier truc, le deuxième nom c'est la profondeur, donc regarde surtout la première et la troisième. Ok, ça va. Ça roule là. Alors, réacteur nucléaire. Ça aussi, hein, il me faudrait que je trouve les rechargeurs de batteries de haute capacité. C'est vraiment cool. Voilà, bras de forage, 5 titanes, ok. Et bras grappin, je pourrais pas. Bras de torpille, il faut de l'aérogel, mais ça, ça devrait aller normalement. Bon, on va déjà tester le bras de forage. Un bras de forage, c'est déjà pas mal. 5 titanes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dis-moi que j'en ai un cinquième. Et non. Allez, on va partir. On va partir forer alors. Ouais. Ok, on va partir tester avec ça alors. Donc Gireno, c'est bien alors de faire, allez, de choisir, ah c'est quoi ça, œuf de créature. C'est bien de faire un bras de forage pour le moment. Pour récolter les grosses ressources que tu ne peux pas récolter à la fin. À la main, ok. En tout cas, ça a l'air cool. Je crois que je vais bien m'amuser avec ça. T'as raison que je devais faire un peu ça. Arbre bulbe. Ok, et du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux couper, non? Yeah. C'est génial. Ah. Merde. Alors, on va mettre ça, on va encore en mettre un. Et...
Ah bah je l'ai mangé, voilà. Du coup ça nous donne quoi? Ok, ça on va jeter. Bon. Hop, on va jeter ça. Et ça. Voilà. Ok, le titane. Une petite astuce, parfois tu as du mal à trouver des sacs gélatineux, bah en fait, bah en le faisant avec le couteau, tu peux les cultiver. Ah oui, donc au lieu d'en capturer un, je peux couper les trucs gélatineux, c'est ça? Tu plantes les graines à l'extérieur alors, c'est ça? Il est où le... ce que j'ai ramassé? Oui, des bacs d'extérieur. Ok, merci. J'ai un inventaire quand même ou pas? Ah non, j'ai pas d'inventaire. Mais comment je prends les trucs alors? Stockage. Ah ah. Ok. Ah, ça c'est cool. Ok, on va mettre notre premier poisson. Alors, on va transformer et puis on va faire enfin notre pack de forage, notre truc de forage. Hein. Voilà, parfait. Ok, on fait ça. Module commun, qu'est-ce qu'on renfort de coque? Module de stockage. Bras de forage, oui. Module CIMOS, non. Donc ici, canon à propulsion, réacteur thermique pour combinaison, ouais. Ça pourrait être un truc sûrement qu'on va faire après. Bras torpille, je sais pas, on verra bien. Je crois pas que pour le moment ça sert à quelque chose. Alors, alors, voilà. Bon, on va partir en exploration. Alors, est-ce que ça va pas faire bugger? Yes, ça fait pas bugger. Première fois de toute ma vie que j'arrive à faire rentrer mon prawn dans dans mon cyclope sans que ça déconne. Waouh. Je vais d'abord explorer par moi-même. Merci, mais je préfère d'abord explorer par moi-même. Ah, c'est là que j'ai crash.
Ok. Alors, où est-ce qu'on irait explorer? Je crois qu'on va se diriger vers la capsule, hein. Mais on devrait quand même aller voir ce point de rendez-vous de l'Aurora, hein, qu'il nous donnait. On va faire ça. Donc même tenter les codes pour me faire débugger. Même de faire spawner Sima sur moi, MDR. Ah. Terre en vue. Enfin presque quoi. On va passer par par la gauche. Je sais pas. Ah, c'était là que je voulais une fois explorer. Parce qu'ici, il y a le volcan. C'était ça que je cherchais une fois. Je vais mettre une balise. Je crois que là c'est bien hein, d'y aller, non? Je crois que c'est une zone intéressante. Je vais mettre cette balise. Alors. Ça va être volcan. Non, pas vraiment. Quoi, y a pas vraiment des trucs intéressants là en bas? Tu les trouves qu'en profondeur? Ouais, mais je veux dire intéressantes pour moi maintenant, quoi, tu vois? Genre pour découvrir des nouveaux trucs ou des nouveaux schémas. Ça peut être sympa. Tu auras des matériaux basiques. Enfin voir ce que c'est ici le point de rendez-vous. Et puis on descendra. Hein. On ira dans les profondeurs. Sous l'océan. Sous l'océan. Nan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 a sous l'océan. Il va pas dans la zone vide non plus. La zone vide? Qu'est-ce donc? Pas tout.
toucher. Hein. Ah, quoique. Parce que si tu es, il va... que si tu es au-dessus et que tu libères le prone, et bah tu le verras. Parce que dans cette zone, il n'y a pas de fond. Ça te prévient quand tu vas dedans. Quand je vais dans une zone sans fond, c'est ça? What, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'es-tu? What? C'est quoi ce bordel? Trop important et ça te l'a pas encore fait. Ah. D'accord. Bon, je crois pas que je pourrais monter en entier. Ok, on va aller à la nage du coup. Normal, normal, ça fait quand même bien peur, hein. Ah. Integrating new PDA data. Ok, rien n'est traduit. We have to board the Aurora. Repair the long range. Ok, donc... s'il me le donne pas, c'est que... ça doit pas être un truc très important. En vrai, Mac, un des seuls trucs gentils dans le jeu, mais je dis trop là. Mac. D'accord. Est-ce que là, tu crois que si je descends, c'est dangereux ou pas? Je sais, je vais dans les profondeurs là maintenant. Pas forcément, mais tu peux essayer. Il y a des beaux petits bugs de texture là. On est à quelle profondeur? 280 mètres. La base est à l'opposé. Quelle base? Je dois pas aller à ma base. Là, j'explore. Par contre, c'est abusé comme ça, je charge pas, quoi. Ma base, désolé, c'est le correcteur qui est un peu compliqué. Ouais, je vois ça.
What, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs là? Des énormes crabes? Ok, on est dans une nouvelle zone là. Cool. Très bizarre. Ouais. J'ose pas prendre mon approcher parce que je sens que ça va sauter d'un coup. Peut-être un ghost léviathan en sauvegarde au cas où. Sérieux, t'es sérieux là? Mais tu vois ça, c'est ça qui fait le bruit, hein. Pourquoi c'est suivi les araignées? Pourquoi c'est pas... Bah je suis pas assez pro pour connaître tous les bruits mais il me dit... Pourquoi c'est pas suivi les papillons? Tu pourrais prendre le pro, non? Bah ouais, c'est ce que je me suis dit mais j'ai quand même assez peur de ces trucs là, là, ces petites bêtes. Mais ici on a un truc alien. Parce que j'ai peur que ça m'attaque si je vais trop bas en fait. Allez, on tente avec le prendre. Le warper. Non, non, moi je te parle des... Ça c'est le warper, non? Mais tu vois, moi je te parle des crabes là. Enfin, des genres de crabes très spéciaux, mais. Bon, ils ont pas l'air méchants. Hein. Alors, je veux juste voir c'est quoi ce bruit. D'accord. Ok. Alors. On le tente. C'est parti. Évidemment, j'ai pas d'eau. Ah si, j'ai de l'eau. Un tout petit peu. Vital signs stabilizing. Boom, boom, boom. Non, ils ont pas l'air agressifs. Je crois que je vais essayer d'aller un peu plus bas. Parce qu'en soi, ici, il n'y a rien d'intéressant.
Je crois que c'est mieux d'explorer quand même avec l'autre. Enfin, d'explorer avec ça pour aller après trouver le bon endroit, quoi. Ça aussi, hein, je me demande ce que c'est, hein. Oui, tu as pas tort, peut-être va dans les 500-600 mètres. Lui, il peut aller jusqu'à combien? C'est pas 600? Ah non, c'est peut-être 800. Par contre, j'ai peur niveau haut, moi. Est-ce que... Je sais pas si on peut... Je sais pas si ça a été patché, ça, ou pas. Avant, on pouvait se faire carrément... À l'intérieur, on pouvait se créer des trucs, quoi. Genre, si je voulais faire ça... Ouais, on peut... Ah, ça, c'est vachement bien. Bon, je vais essayer d'un peu descendre encore. Alors... Ça fait peur toujours ce petit bruit, hein. C'est pas ça le ghost? What? Il a disparu? Si. Ah! Et c'est lui qui est le pire, c'est pas ça? Non. Mais il fait quoi le gosse du coup? Tu m'en avais parlé mais... Ah ouais, il est stylé, mais il fait surtout blinder peur, ouais. Là, je suis en train de m'en dire, je vais de plus en plus loin. Et je sens que quand je vais revenir, ça va être le bordel. Il y en a un pire qui crache du feu et tout. Ah ouais! Je crois que j'avais vu, mais enfin, c'était il y a longtemps aussi, mais c'était quand il y avait ces... À un moment donné, on trouve une énorme carcasse comme ça, d'un énorme truc. Alors là, par contre, je le sens, mais pas du tout, quoi. J'ai l'impression qu'on arrive... Ah, zone morte. Merde, j'aurais pas dû bouger. Warning.
En arrière! Ok, il y a des fuites où ça? Ok. On va les réparer. C'est là où il n'y a pas de fond et où tu peux croiser trois électrons ghosts en même temps. D'accord. Et ça sert à quoi la zone Enfin, elle sert à quelque chose cette zone ou c'est vraiment juste pour dire que. What, what, what? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je brûle? Fait trop chaud ou quoi? Que ça bouge ou pas? Tant pis, j'allais plus loin à mon avis. Ah ouais, je me doute. Est-ce que si je laisse la broche, enfin l'ouverture, c'est pas grave? Je crois pas, hein. Ou alors ça commence à se remplir. Ok, je crois que je vais retourner. En fait, j'ai fait la base au bon endroit car moi, si les trucs plus profonds, mais dans une zone morte, mais au pire, retourne un peu et répare-le plus tard. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais un peu remonter. Et puis, on verra bien. J'ai été dans une zone pas encore faite pour moi. J'ai trop peur. Là, il n'y a rien d'intéressant, hein, je crois. En fait, je devrais peut-être un peu longer cette zone. Je crois que je vais faire ça. On va un peu tourner dans cette zone. Ah, ah ouais, c'est vrai qu'on a un problème d'eau. On va retourner à notre base. En mode poser Roger. Ouais, là-bas il y a des failles et tout. Même plus évolué, c'est rien. Et puis t'es sûr que tu veux pas écorner car il y a des herbes sanguines et des zones acides de lave. En vrai, c'est charge, mais tu peux avoir. C'est chaud, je suppose que tu voulais dire. Bah en vrai, en fait j'ai pas envie d'écordonner parce que si j'ai pas encore découvert ça, c'est que c'est pas encore le moment, tu vois. Donc je me dis si j'apprends des choses, enfin je sais pas, je... Peut-être pour le prochain stream, mais pas pour aujourd'hui en tout cas. Je préfère pas pour le moment en tout cas, on va dire. Explorer ça, ce que c'est, parce que ça a l'air intéressant ça ici. Dis donc.
Bah, tu peux rien apprendre car tu as pas assez. Tu as pas assez pour aller trop profond. Ouais, mais justement, le but c'est que j'essaye de découvrir par moi-même aussi. Ah ouais, mais j'ai toujours ce problème d'eau, hein. Je vais aller chercher de l'eau parce que ça, j'ai pas envie de mourir, j'avoue. Niveau haut, ça va être chaud. Ça aussi, je vais quand même aller explorer. Même s'il n'y aura pas énormément de choses, je crois qu'il peut quand même y avoir 2-3 petits trucs. Mais il y avait une zone, je sais plus où elle est, mais c'était une zone en fait où c'était une énorme cave et il y avait vachement des trucs intéressants en fait par là. Je me souviens plus du tout où c'est. On va aussi aller explorer là-bas, hein, à 500 mètres. Je crois qu'on va aller faire ça. On va se prendre à boire. Et on va faire ça. Œuf de requin des sables découverts. Ah, donc c'est un requin des sables qu'on a fait éclore. Alors ce qu'on va vite faire, on va s'arrêter ici. Et on va faire un truc tubulaire, je sais plus quoi. Ah ouais, on doit réparer aussi. Pour de l'eau, il nous faut ça. Voilà, on aura assez, je crois. Avec des champs avec nous et toutes les zones importantes sont des grottes. Ah, je sais plus si c'est des champignons. Je t'avoue que ça fait longtemps, hein. J'ai pas encore découvert ça dans cette partie. Mais ouais, c'était une zone. En fait, tu descendais dans un tout petit truc, un trou. Et en fait, tout était énorme. Je crois qu'il y avait des trucs électriques. Non, il y avait des serpents comme ça. C'était un genre de serpent ou je sais plus quoi. Ouais, c'était ça. Et c'était vachement chiant. Opération, on prend de l'eau. Alors, j'ai du sel ici. Javel. Voilà de l'eau. Igloo. Vital signs stabilizing. Et ah ouais, on n'a plus à manger maintenant. Je vois de quoi tu parles. Ah ouais. Bah cette zone je l'ai pas encore découverte et je sais plus où elle est. Mais je sais qu'elle est pas très loin d'ici. Alors. Qu'est-ce qu'on a aussi découvert ici? C'est quoi? Barre de réacteur, utilisée pour alimenter des réacteurs. D'accord. D'accord. Ok, on va écouter le message radio. This is on
Ici le QG de l'Altera, ceci pourrait être notre seule fenêtre de communication. Nous ne pouvons pas envoyer un vaisseau de secours à cette distance, Aura, vous allez devoir nous rencontrer à mi-chemin. Session sandwich. Ouais, donne-moi une seconde. Montre que le terminal de sécurité est cassé. What? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... If she doesn't, just tell her the regular, dude. Okay, the code... I say regular, and she's like, what's the regular? I can come all the way back up here. The code should be 2679. The regular is just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Attends. Ham and cheese. Okay. 2679. 2679. Ça, c'est le truc du capitaine. Donc, c'est pour aller dans la base du capitaine, là, dans la base de l'Aurora. Ça, c'est une info cool. Aide-mémoire. Quartier du capitaine, c'est ça, hein. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. On va aller voir ça, hein. En vrai, on a assez à boire. Quoi? Ah oui, j'ai pas transformé en eau. Ça va être compliqué. Mais ok, Jirino, pas de soucis, hein. Mais normalement, je devrais la trouver sans trop de soucis. Je vais encore boire. Je vais mettre tous les trucs ici pour le moment. J'en ai pas besoin de toute façon. Pas besoin d'autant d'eau, ok. Par contre, pour ça, j'ai triché, j'ai regardé sur internet et même j'avais pas envie d'attendre. Ah, ouais, c'est vrai, on doit réparer. Ah, j'avoue que je serais peut-être à un moment donné tenté, mais. Attends, t'as rush pourquoi? Enfin, t'as regardé sur internet pourquoi? Ouais, on doit aller voir notre poisson aussi, notre cher requin. Coucou toi. Aïe, coucou. J'avoue, on peut le scanner maintenant. Envie d'attendre. Ah oui, oui, t'as regardé le code, ok, d'accord. Ah non, moi j'ai quand même attendu. Non, je crois que tu avais regardé pour les zones, etc. Pour rush les zones, etc. Vers le bon endroit, ça va être compliqué. J'avais découvert, hein, cette capsule quand même. Ou pas. Ou alors. C'est pas une capsule en fait. C'est un gros monstre. Ok, gentil. Hein. Rien du tout, quoi. En vrai, j'ai peur de faire ça quand même. En vrai, normalement, ça devrait encore aller ici. C'est juste là-bas qu'on risque de toucher, de voir un petit Léviathan. Mais maintenant, on a l'habitude. On a vu
quelques-uns. Ok, j'ai juste envie de faire un truc. Je me doute que vous savez c'est quoi. Alors, tac, tac. Ça veut savoir, tu as découvert la zone vu qu'il y a une capsule au même endroit. Salut, tu sais que Bilos... Ouais, mais en fait, ouais, je sais, je crois que je pourrais pas faire un stream dessus, mais je crois que le lendemain, j'essaierai de faire un stream dessus. Mais ouais, Dogari, j'ai hâte, j'ai reçu le petit mail. Tu peux jet run. Je peux quoi? Attends. De quoi tu parles si j'ai déjà été à la capsule? Attends, je termine ça et puis Dogari, tu vas regarder toi, tu vas... Enfin, Dogari et Jirino, vous allez acheter le... Allez, Below Zero. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. C'est parti. Quoi, c'est une éclipse là? Sérieux, une éclipse solaire? D'accord. Pourquoi pas, hein? Je crois qu'on va pas tarder à faire un petit break aussi. Là il y a le foutu Léviathan, hein, comme d'hab. C'est pas gentil, hein. Mais sérieux? Pourquoi il attaque deux fois là-haut?
Qu'est-ce que je vais déjà faire? Un peu reculer d'abord. Voilà. On va aller en bas. Ok. Et on va d'abord réparer tout ça. Et de deux, il y en avait un troisième. Ici. Voilà. Ok. On peut aller ici. Ok, ça se passe bien. Et c'est parti. Il y a intérêt à ce qu'on découvre des trucs intéressants hein, dans la cabine du capitaine. C'est quoi Bilo Zero? Ah bah c'est le nouveau Subnautica. Donc en fait c'est apparemment après l'extension, enfin après la fin, tu as apparemment on part en fusée. Je sais pas, jamais vécu ça. Et attends. Et on va et en fait c'est une sorte de suite. Donc en fait ça se passe surtout dans la glace, donc c'est une suite de Subnautica, mais c'est pas un DLC, c'est beaucoup plus qu'un c'est un autre jeu quoi. Mais il sort en en test quoi. En bêta, même alpha je crois. Mercredi. Alors, 2, 6, 7, 9. Wouhou! Miniature. PD abandonné. Journal du capitaine. Quand j'aurai fini le jeu, je le prendrai. Ça doit être pas mal si c'est la suite. À te prendre terminal de données. Ouais, c'est ce que j'allais faire. What? Quoi ça? Fusée d'évacuation Neptune? Qu'est-ce donc? 5 éléments indépendants constructibles. What? La raison, l'IA ne lancera pas la fusée si des menaces locales sont détectées. Utilisation des sources d'énergie étrangères pour faire fonctionner le moteur pour augmenter sa portée de façon imprévisible. Ok, donc, plateforme, une plateforme flottante qui fournit une base solide pour lancer la fusée. Ok. Fournit un support structurel. Premier étage, propulseurs principaux pour atteindre la vitesse de libération atmosphérique. Second étage, réserve de carburant. Troisième, cabine. D'accord. Je suppose que c'est ça qu'on va devoir faire pour pouvoir s'échapper. Huh?
Terre, on a assez. Pour finir, Jaume, tu dois d'abord désactiver le canon et voir le dernier Léviathan. D'accord. Bon, c'est tout ça pour ça. Bon, c'est en soi, c'est hyper important, mais c'est chiant d'avoir attendu autant pour ça, t'as raison. Je crois que c'était là-bas, non? Ici, ouais. Ok. Alors, on va peut-être... On va retourner... Aïe. Ok, bah du coup, j'ai plus rien à faire moi dans Star Wars 1. Il y aura plus jamais rien en fait. Ça va être la fin, je crois, de... Oui, enfin, j'ai tout fait, du coup... Non, c'est bon, je crois. Du coup, ouais. Ah ouais, c'est vrai, j'ai désactivé le canon. Attends, est-ce que j'ai des nouveaux trucs? Est-ce qu'ils m'ont donné des nouveaux schémas? Barre du réacteur, mais ça, je l'avais découvert avec le truc. Et plateforme de lancement. Ah. Et elle coûte pas cher à faire, en tout cas pour le début. Bon, il va falloir qu'on explore un peu. Ah. Hey. Et Geronimo. Ouf, putain, c'était un beau plat. Ah, je vais peut-être désactiver mes lampes. Ah, c'est peut-être ça qui l'a excité, l'autre. Et je rêve où il a tourné là. J'étais pas aussi proche si. Ah peut-être que si en fait. Ok. Par contre il est ultra agressif hein l'autre. Enfin les Léviathan qu'on a vu quoi. D'habitude ils sont un peu calmes, ils attaquent une fois et puis basta là. Mais voilà, il est nouveau là quoi. Putain, c'est le bordel. Ok, tout va bien. On va arrêter le feu.
Ok. On va aller réparer maintenant. Putain, c'était chaud, hein. Mais au final, il est moins chiant que le Ghost. Ah ouais, mais il est assez agressif, quoi, je trouve. Pour un qui a l'air normal. Putain, j'ai failli perdre mon Cyclops, hein. Ah oui, c'est ça, il est ultra chiant. Bon, heureusement, on a réussi à s'en échapper, mais... chaud quand même. Ok, je vais aller plus loin. Ah, il y a toujours le feu, merde. Et j'ai plus assez de trucs. Merde. Qu'est-ce que je devrais faire? J'irai jusqu'à ma base ou quoi? Ok, ce que je vais faire, je vais déjà baisser. Ok. Putain, c'est moi ou il y a un petit bug de bruit là? Ok, on va réparer tout ça déjà. Allez, voilà. Encore ici. Là, on dirait. Ouais. Putain. Je reviens toujours pas là que... C'était chaud. Il y a plein de fumée. Welcome aboard, Captain. All systems online. Fire detected. Seek fluid intake. Évidemment, j'ai rien ici. On va aller à ma base en espérant que ça se passe pas trop mal. Ah, ce bruit est horrible. Ouais, je sais. Ah, il s'est passé quoi? J'avais crash. Ah bah depuis là tout à l'heure, c'est l'autre qui a pas arrêté de m'attaquer et j'ai plus assez de fuel de quoi arrêter l'incendie. Du coup, c'est un peu le feu. Mais ça va, on arrive. Par contre, c'est horrible, j'ai l'impression qu'il y a un bruit comme ça qui déconne ou le son déconne, je sais pas. Genre c'est...
Ok. On va sortir, on va aller chercher ce qu'il faut. Encore, mais depuis à tout à l'heure, j'ai toujours pas assez de fuel. Pas assez de... Par contre, je vais juste prendre un kit de soins. Alors, dis-moi que j'en ai ici. Non, dis-moi que j'en ai ici. Non. Non. Non plus. Là, oui. Yes. Deux. Go, 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 go. Merde. Ah. Go, go, go. Ouais, c'est pour ça que... Je vais rapidement. C'est pour ça que j'ai préféré venir pour être sûr. Ok, ça c'est bon, c'est réglé. Maintenant on va retourner tout réparer. Eh ben, que d'émotion. Non, non, le je l'ai déjà utilisé, hein, je l'ai déjà utilisé. Merde, je suis con. Bon, bon, bon. Et bah, je crois que je vais quand même. Je vais arrêter plutôt pour aujourd'hui. Je crois que je vais arrêter le. L'épisode. Je vous avoue que je suis plus fatigué que d'habitude. Et j'ai eu trop d'émotions là tout d'un coup. Non, en vrai. J'avoue que je suis un peu fatigué et j'avoue que j'ai pas envie de me forcer non plus à me dire ouais je dois faire autant et donc je dois faire autant. Donc je crois que je vais arrêter aujourd'hui. Du coup, je crois que ouais, je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pour la prochaine fois explorer un peu, m'amuser quand même à... Je crois que je vais... Ouais, je crois que je vais explorer quand même pour la prochaine fois. J'ai quand même envie de voir si je le mets là. Ouais, ou alors je vais... En fait, j'ai pas envie de continuer à explorer pour le moment, j'avoue. Mais on peut peut-être un peu améliorer notre base. Non, je crois que je vais arrêter. J'ai pas envie de me forcer, j'avoue. Ouais, je crois que je vais arrêter. Je suis désolé, mais il faut comprendre. Je suis du genre à me dire si je viens... Si je stream, c'est pour m'amuser, quoi. Et là, je suis fatigué, j'ai plus envie. Du coup, je vais pas me forcer. Hein. Enfin, voilà. Ça fait partie de mon caractère. Je suis désolé, du coup. C'est-à-dire que c'est plus court que d'habitude. Normalement, c'est que 23h. Là, on va arrêter. Demain, je découvrirai Surviving Mars. N'hésite pas à venir, hein, Gerino. Et aux autres qui viennent aussi. Demain, ouais, donc ce sera ça, puis on aura... Enfin, il y aura de toute façon, il y a normalement le planning sur Twitch. Quand on clique sur planning en bas, là, il y a planning et il y a notre planning de la semaine. Donc, surviving pour moi cette semaine. Il va y avoir aussi Planet Coaster mercredi. Donc, je streamerai pas sur Below Zero, mais peut-être jeudi. On verra bien comment ça se passe. Ouais, on verra. Être intéressant en soi hein, pour un test. Ouais bon et ben désolé hein, on arrête plus tôt mais voilà. J'espère que ça vous a plu quand même hein, même si on n'a pas énormément fait.
On a quand même découvert quelques petites choses, donc c'est cool. Du coup, à bientôt. Et voilà. N'hésitez pas à avoir follow. Enfin, toi t'as déjà follow, Jireno, mais peut-être que pour les autres personnes qui sont là. Voilà, alors je vais sauvegarder. Sauvegarde en cours. Et parfait. Bon, et ben du coup, à bientôt hein, pour une prochaine vidéo, pour un prochain stream. Allez, ciao, ciao!